10 ans après son départ de Maison à Vendre, Aurélie Emma reprend du service aux côtés de Stéphane Plaza. Pour la voir, rendez-vous le vendredi 12 mai à partir de 21h10 sur M6. Si vous êtes un inconditionnel de Maison à Vendre, vous vous souvenez très certainement des débuts hauts en couleur de Sophie Ferjani aux côtés d'un Stéphane Plaza déjà particulièrement maladroit. Mais l'agent immobilier s'est également entouré d'une autre décoratrice, Aurélie Emma. La jeune femme a officié dans l'émission de 2007 à 2014, avant de céder sa place à un visage aujourd'hui devenu familier, Emmanuel Rivassou. Et hormis une apparition en janvier dernier à l'occasion de la 100e de l'émission, Aurélie Emma faisait bien discrète sur nos écrans. Bonne nouvelle pour les fans, elle reprend du service dans Maison à Vendre dès le vendredi 12 mai à 21h10 sur M6. Maison à Vendre, Aurélie Emma de retour dans l'émission. Et pas qu'une seule fois, et la décoratrice ne revient pas pour une occasion unique, mais compte bien s'installer de nouveau dans le programme, tout au long de l'année. Pour son grand retour, elle quittera l'île Maurice où elle s'est installée pour la région parisienne afin de venir en aide à Nathalie et Victor, un couple de pétillants quinquagénaires. Et leurs trois enfants, Thomas, 30 ans, Alexandre, 27 ans, et Wendy, 24 ans. Mais la joyeuse petite famille va vite voir son quotidien chamboulé puisque le couple part s'installer à Angers. Les trois grands-enfants vont donc enfin couper le cordon et prendre leur indépendance. Mais avant ça, il faut vendre le grand appartement familial, rester dans son jus qui sent bon les années 80. Un sacré défi pour Aurélie Emma. Maison à Vendre, qui pour remplacer Emmanuel Rivassou après son départ? Si Aurélie Emma revient dans Maison à Vendre pour plusieurs numéros, elle succède en quelque sorte à Emmanuel Rivassou, qui l'avait remplacé en 2014. La Provençale a annoncé, il y a quelques semaines, quitter l'émission de M6. Mais Aurélie Emma a un agenda déjà bien rempli car en plus de son métier d'architecte d'intérieur, elle vient de donner naissance à un petit Emilio il y a quelques jours. Aussi ne pourra-t-elle pas assurer un grand nombre de tournages ces prochains mois. Heureusement, Stéphane Plaza peut toujours compter sur l'indétrônable Sophie Ferjani, mais aussi sur Carole Cara et Stéphanie Catanzano. Views is post ton Instagram à post shared by Aurélie Emmar @AuréliEmmar, à lire aussi Maison à Vendre, grande première dans l'émission. Stéphane Plaza met fin au projet de participants.